Tu vas bien? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Ouais. Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, j'ai hâte de voir tout ça. C'est ça, D, je fais pas. Mais ça va, super, nickel. Oh la vache. N'hésitez pas en tout cas pour ceux qui le souhaitent à mettre un petit pouce bleu et puis vous aurez toute la rediffusion après ce live, donc vous pourrez regarder tout le let's play, enfin tout le let's play, tout le jeu. Enfin, visiblement d'après ce qu'on m'a dit, il durerait que 4 heures. Bon, on va jouer 4 heures cet après-midi alors. Je vous ai dit qu'il y aurait un gros live dans la semaine, et ben voilà, il y a un gros live aujourd'hui. Enfin, sinon on le finira demain, hein. Dans le pire des cas, si on peut pas finir aujourd'hui, on le finira demain. Ouais. On va voir. Tu veux peut-être t'allonger? Ouais. Il a vraiment le mal de mer. Je devrais faire ça. Eh ben. Ils sont au nord de la Polynésie française. 17h30, 20 juin. Pas par là-bas. Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Ils veulent juste plonger à la base, hein. On est bien d'accord. Allez, vas-y. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. Le jeu, c'est vraiment une queue de la cinématique, c'est ouf. Bon, on va peut-être pouvoir contrôler un peu les persos, etc., comme au début. Ah, mais du coup, on va voir peut-être le bateau. Je vous laisse admirer ça. Ah, c'est le bateau, non? Non, c'est l'avion. Le cul de Brad était aux petits oignons. Toujours Sophie à Brad. Ouais, il est génial. Ah, mais du coup, c'est quoi? C'est un avion. Liz, on a trouvé un avion. Ouais, c'est ça. Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Ouais, allez, vas-y. On tente le coup. Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Ouais, c'est clair. Quelle règle? On est où, là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si ouais, mais ça, c'est des gens qui sont venus sur live pour dislike parce que je les ai bannés définitifs, c'est pour ça. Alors. Parce qu'ils sont en mode, à dire des bêtises, tu vois. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. J'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. C'est même pas grave du tout d'ailleurs. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Bah nickel. Eh, hey, tu devrais peut-être parler à ton frère. Juste un petit truc au niveau des paramètres de graphisme, si c'est possible de voir un truc. Non mais le nuit d'image on s'en fout. Occlusion ambiante, ouais, V-Sync, ben non, vu qu'il est pas activé, tu vois. Bah ouais, je me doute, mais merci en tout cas, Yotaz, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Je comprends, mais bon, qu'est-ce que j'y fasse? Au pire, je le mettrai sous forme de let's play, ça sera plus sympa. Comme ça, ça évitera qu'il y aurait ces... Bon, on va du coup observer un petit peu le bateau. Le matériel va pas tarder à être prêt. Merci d'avoir... Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Ah, c'est clair. Quoi? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein? D'accord. Pourquoi pas? S'ils étaient en concurrence, je m'en sortirais pas mal. Bah, si on prend en compte l'inflation, franchement, je suis pas très emballé par notre capitaine. Ok. On va rien dire, va. On va rien dire. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord. Mais... Elle est jalouse. Elle est grave jalouse, en fait. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Ok. Reviens-nous quand t'as fini. On va aller voir un petit peu ce que font les autres. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. On pourra rentrer carrément dans le... Ah, ça, ça va être bien. Si on peut rentrer directement dans le... Ouais, on voit la brèche.
Vas-y, fais passer encore. Ouais, là, il y a... Attendez, ouais, là, il y a rien. Et là, on voit juste... Attendez, voyons, je regarde un peu. Ouais, non, ça va, ok. Ouais, on a presque tout vu, je pense. Et la brèche, il la voit... Ouais, enfin, il la voit... Ouais, il la voit par là, attendez, attendez. On va regarder un peu plus attentivement. Ah, ok. Ouais, bon, ok. On va aller lui rendre. Ouais, elles sont jolies, les images, donc on sait à quoi s'attendre. Bon, c'est en plongée que ça va se passer. Oh, ça va être chaud. Allez. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Ah, tu vois, comme quoi il a tourné la phrase à son avantage aussi, si j'avais répondu l'autre chose. Des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles un peu plus basiques. Ouais, mais bon. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? J'ai exploré des épaves. J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro. On va dire ça, mais. Tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Ouais, mais bon, là, on peut être les règles. Ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Ah, elle veut vraiment suivre les règles, hein. Ok. J'ai pigé, combien pigé. On va jouer avec l'argent pour combien voir. Combien quoi? Bah tu dis combien rien. Combien d'argent est-ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grappe? Toi? C'est pas du tout une question d'argent. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Je crois qu'on est un petit peu vexé. À mon avis, on a dû la vexer. Ouais. Vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Ouais, je crois qu'on est un petit peu vexé. Relation, à mon avis, ça a dû baisser. Regardez, on va regarder ça. Mais à mon avis, la relation, ouais, bah oui, elle a un petit peu baissé. Ouais, il va falloir qu'on remonte un petit peu les relations parce que ça va pas être simple sinon. 29 degrés. Tu sais comment ça marche? Non, pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Ok. On va aller carrément à l'intérieur du bateau un peu. Oui, on peut. Nickel, ça c'est bon ça. N'empêche, le jeu est magnifique. Je l'ai pas dit, mais vraiment, il est beau. Hein. Ça va au niveau des graphismes et tout, c'est quand même plutôt bien fait. Hein. Même au niveau de l'image et tout, c'est vraiment top. Comment ça va? Ah, c'est son petit frère. Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Ouais, mais t'en fais pas. Ça fait partie de l'aventure. Il faut quand même qu'on remonte la relation avec eux. T'inquiète. C'est le but aussi. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. Mais ouais, tranquille. Ça va bien se passer. Voyons voir. Parce que maintenant qu'on a à peu près tout vu, j'ai l'impression. Attendez, ouais, toi c'est quoi ça? Non, reviens en arrière. Non. Ah, tu sais que t'es relou quand tu t'y mets. Allez, dépêche-toi, voilà. Mais par contre, j'ai l'impression de n'y croire vraiment dans le jeu, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ce truc? What? Il fallait qu'il... Ah oui, il nous l'a dit, hein. Le guide, il nous a dit, il faut regarder les photos, les peintures, etc. Donc ça peut vraiment nous aider. Enfin, tout ce qui s'agit des éléments du décor, il faut vraiment regarder en fait. Parce que ça peut être super important. Ok, bon bah on y va. J'arrive. N'empêche, il est joli le bateau. Parce que ça, il faut super bien regarder quand même. C'est quoi? C'est une pièce d'identité. Alors, Félicité Dubois, 3 novembre 1983. Date de naissance, 54 kilos, poids marron, cheveux, machin. L'instructrice. J'ai du mal. Identifié au verso et autorisé à donner des cours dans la spécialité. Spécialité précisée comme indiqué par la fédération de plongée. Expiré là. Hein, ok, donc, ouais, bah elle, c'est vraiment dans son domaine. D'accord, ok. Bon, moi, on en apprend un peu plus sur elle, même si on sait déjà qu'elle sait très bien faire de la plongée et connaît bien son métier. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Donc ça veut dire qu'on peut vivre sous l'eau pendant un moment alors.
si je réfléchis bien. Ah, c'est top ça. Eh, tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine ? Qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre ça, ouais. C'est que l'attente doit être interminable, mais bon. Comme ça va servir encore, j'ai jamais. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Ah, ah. Okay, tu les t'en gars. Es déjà servi ? C'est parti. Sur un requin ? Non. Et nous, ouais, mais. Pas les règles, surtout. C'est bon, caractère de Fliss ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon ? Allez, on y va. La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Allez, let's go. Au lieu de papoter là. Bande de petits têtards là. Allez hop, on y va. Let's go. C'est pas le moment de draguer là. Apparemment, elle a l'air d'avoir des vues sur lui. Ah, ça c'est pas bon ça. Rip. Deux filles pour un seul mec, c'est chaud, tu vois. Ah, généralement, c'est tendu. Ouais. Mais en tout cas, on va pouvoir respirer sous l'eau pendant un bon petit moment. Ça, c'est trop bien, par contre. Wow. Ça va. Ça va ? Plus ou moins. Eh bien, franchement. Ah, il y a des requins qui traînent. Ça, c'est pas mal. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Ah, ils veulent quand même piller quelque chose dans ce... C'est pas comme s'ils pouvaient inspecter l'épave tous les soirs. Là. Dans cet avion. Cette forme, ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. J'imaginais vraiment pas aussi grand. En vrai, ça doit être stylé de faire la plongée sous-marine, mais vu que là, c'est un jeu visé dans l'horreur, ça va être juste chaud. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Ok. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière ? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors ? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux. Ah, il a dit la totale vérité. Ah, il fallait. Allez, vas-y, je veux bien, vas-y, accepte le verre. Je veux bien. Ah, mais elle fait trop. Non, faut qu'elle soit pas renfermée comme ça. Un peu plus ouvert. Par contre, chaque choix qu'on fait a un impact sur le jeu, ça c'est totalement sûr. M'interroge pas sur mes finances. Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances ? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. J'ai assez de problèmes à gérer. Ouais, je pense qu'on Désolé. Va dire ça. J'ai assez de problèmes à gérer en ce moment. Mais moi je redis la même chose. What ? Eh ben comme quoi elle a assez de problèmes. Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. Au revoir. D'accord. Mais genre qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La météo est bonne. Ok. Ah, les nuages, ouais. Nuages. Oh oh. Quoi ? On dirait qu'on a de la compagnie. Et ça peut être quoi ? Ouais, non, mais là par contre, c'est pas évident là. Attendez, y'a quoi là ? Ça, c'est quoi là ? Vas-y, prends-le. On va regarder un petit peu. Aux alentours. Que se passe-t-il ? Mais le jeu, vraiment, on dirait que des. Vraiment un film, ouais. Y'a quoi ? Bon, pour l'instant, on voit rien. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Ben, moi, je vois rien perso. Même dans les airs, mais de toute façon, le sonar, ça doit être dans l'eau, logiquement, mais. Ouais, on a un sacré zoom quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a rien du tout. Pour l'instant, après on va voir, mais là je vois rien du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait me. Tout a l'air d'aller bien. Mais j'ai quand même envie d'aller regarder le sonar encore. Parce que franchement, il peut se passer des choses, mais je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ouais, mis à part là. Qu'est-ce que c'est ça au juste ?
Ah oui, ça c'est les photos. C'est les photos du... Oh, n'empêche, mais... Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Ah oui, elle va leur parler, vas-y. Pourquoi pas. Duke à Alex. Duke à Julia. Eh, on n'a pas de réponse. Et genre, ça marche pas. Oula, ça commence à devenir minimum inquiétant en fait. Genre, il pourrait au moins répondre. Te revoilà, petit spot. Mais qu'est-ce que tu fais dans les parages? On peut pas se déplacer si, avec le bateau aussi. Ouais, mais on a dit... ouais, mais non, ils veulent pas sûrement pas bouger. Attends, on peut passer. Attendez, on va voir si on peut passer sur autre chose. Ouais, c'est quand même un gros point hein, en vrai. Alors, si on l'a pas trouvé, mais logiquement, il se situerait où alors du coup? Je vois pas où il peut être. On va lui parler, on va lui parler, tiens. Au moins, il nous dira peut-être quelque chose. Allez. Mais oui, appuie sur A pour. Allez. Mais c'est où le A? Oh la galère. On va repasser comme tout à l'heure, exactement. Voilà, nickel. Salut, ça va, tranquille? Tu profites de surveiller la plongée. Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. C'est tout ce qu'elle voulait dire? Je déconne pas, ouais. Déconne pas. On rigole pas avec ces trucs, je te signale. Tu le fais à fond ou pas du tout? Ouais, c'est bon. J'ai pigé. Je te jure. Ok. Ouais, non, on va faire un peu cool. De ça. Profite de tes vacances. T'inquiète. Bon, ok. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait en bas, voir s'il va ici sans mieux. Moi, j'en vois pas plus là pour le coup. On va aller voir un peu en bas, ouais. Voir le petit frère de Fliss, si je dis pas de bêtises. Attendez, il voulait qu'on aille là, pourquoi? Il y a quoi exactement ici? Allez, vas-y, ouvre. Merci. ZRT, c'est quoi ce papier? Alors, nous vous informons par la présente que vous êtes en défaut de paiement sur votre prêt personnel. Le solde se monte actuellement à 24 000 $. Elle est en dette. Elle est en dette de fou. Et nécessite un versement minimum de 3 480 $ à régler d'ici le 3/01/2019. Ce paiement est en souffrance depuis le 1 et de nombreuses réclamations nous vous avons adressées seront restées sans réponse. De même que nos propositions de discussion pour pas faciliter le règlement de votre dette. Si nous ne recevons pas la somme due, hein, sous 15 jours, nous serons dans l'obligation de saisir le bien que vous avez mis en caution, à savoir le bateau. Duke of Milan. Mais ok. Ok. Bon, moi, on sait qu'elle est endettée, du coup. Et elle a très peu de jours. Heureusement qu'elle bah, elle a pris justement des riches. Mais de toute façon, le bateau, je sens que il va plus être là à la fin. Hein. Enfin, c'est très probable, d'ailleurs. Ça c'était une pièce du bateau qu'on n'a pas vue, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas tout vu, peut-être, tout à l'heure. Ouais, un peu de parfum, allez, vas-y. Mais si c'était pour le reposer, c'est pas. Shroud of End Innocence, ok. Pareil, ça existe, ce livre existe réellement, hein, très clairement, il y a moyen. Voyons voir. Ah, il a repéré quelque chose, j'ai l'impression. What? C'est qui ça? Hey, Fliss! Là, un bateau. What? Qu'est-ce qu'ils veulent? Des pêcheurs. Enfin, on dirait. On est censé faire quoi, là? On va rien faire du tout. C'est moi, la capitaine. Alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? On va rien faire du tout. Mais ouais. Gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Ils sont trop bizarres ces pêcheurs. Eh, hey, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau. On va régler tout ça, hein. C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 $ en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 $. Ah zut, vous diriez plutôt 30 $, c'est pas un problème. Le mec il passe de l'argent tranquille en mode YOLO. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaire, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radins. Ouais mais l'argent tombe à l'eau. Hein. Ouais mais il se fout littéralement de sa gueule en fait. Ok. Pourquoi pas.
Je serais pas tout à fait d'accord avec lui, mais bon. En même temps, il est riche, donc lancer 50$ ou 100$ en l'air, ça a l'air de pas lui faire grand chose. What? Ah, ça, c'est les cordes. Ouais, bah oui, forcément. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais. Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. Sur la tourelle arrière? Donc il y a moyen de rentrer dans l'avion, alors, du coup. La tourelle, on peut entrer par là. En espérant que c'est assez safe. Ça a l'air. Ça a l'air d'être tout à fait safe, mais... C'est peut-être dangereux. Non, on va pas se blesser tout de suite. Hein. Ce serait pas rigolo sinon. Allez, avance. J'aimerais cette fois-ci, on prend. Pour dire, oh bon sang, Alex, on a réussi. Non, mais là-bas, va là-bas, va là-bas. Tu vas y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Mais what? Il y a plein d'événements comme ça, c'est bizarre. Hein. Prémonition débloquée. Ok, donc ah, c'est une prémonition, d'accord. Ok, bon, moins on en est sûr. Je reste s'il y a autour quelque chose parce que ça peut vraiment nous aider dans tous les indices du jeu. On sait jamais qu'est-ce qu'on peut découvrir. Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Ah, il a raison. Ah, c'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux en fait. On va pas y aller, hein, très clairement, je pense que ça va pas être le cas. Bah, moi j'irai pas perso. Ah, j'observe tout ce qu'il peut y avoir. Ah, une balle, ok. Ah, mais ça, c'est les balles qu'ils ont tirées. Hein. Des impacts tout le long du fuselage. D'accord. Bon, mais on va trouver. Brad va halluciner quand il verra ça. Mais c'est ça qui a peut-être dû faire couler aussi le bateau. Enfin. Après, on sait pas grand chose, mais on a vu qu'il y avait une créature et ça, c'est vraiment bizarre. On va retourner en arrière, vite fait. Regarde, ils ont mis des canots de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canots de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Ah, c'est bizarre. Salut Thomas, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Vous inquiétez pas, il y aura sous forme d'épisode et si vous avez arrêté quoi que ce soit, je vais le remettre sous forme d'épisode très rapidement. Comme ça, vous aurez tout dans la journée ou quelque chose comme ça. T'entends ça? Allons voir. Genre un épisode par jour. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais il y a des. Si tu parles des dislikes, c'est normal. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à venir sur le live et à dire des bêtises. Enfin, il y en a deux mecs là, ils se sont amusés, c'est pas. Oh, oh putain, wow. Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ok. Pilote et copilote, j'imagine. Probablement. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Ouais, ça c'est pas forcément le top, ouais. On peut trouver peut-être des indices ici. Je n'en ai même pas. Vas-y. Eh, hey, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, bouge-le. Allez, force. Ouais, barrez-vous. Ce serait pareil, il tient quand même fil le truc. Bon hein. Oh. Mmh. C'est pas forcément le top. Il tient quelque chose. What? Mais c'est qui exactement? Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ouais, ça a l'air de d'être chargé d'histoire. C'est quel jeu? C'est un jeu qui s'appelle Man of Medan. C'est un jeu de survie et d'horreur. Alors si vous aimez pas, je vous conseille pas de regarder, mais si vous kiffez ça, ben n'hésitez pas à regarder. Très clairement. Comme ça on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Ah, j'explore un petit peu parce qu'il y a peut-être plein de choses que j'ai oubliées. On va voir. J'ai hâte que la... Là on fait de l'exploration, mais quand ça va vraiment commencer au niveau d'avoir peur et tout, à mon avis ça va être... Il y avait un truc là que j'ai peut-être pas vu au départ. Quoi, c'est une sorte de... Ouais, de... Bizarre. On va voir si je trouve autre chose. Rien de très spécifique pour l'instant. C'est la première fois que tu joues ou pas? Ouais, bah oui, il est sorti hier le jeu. C'est la première fois, oui. La toute première fois, le jeu est sorti à peine hier, ouais. Et j'avoue que je pensais pas que Until Dawn allait refaire, enfin les créateurs d'Until Dawn allaient refaire un jeu pareil. Et d'après ce que j'ai compris, il y aurait un jeu exactement pareil, enfin dans le même style, qui sortirait l'année prochaine. Ah, j'ai oublié un truc en haut. Au-dessus. Eh merde, je vais quand même essayer. Elle veut essayer de passer. Bon, de toute façon, faut tenter. Garde une bonne respiration. Sinon, t'es foutu. Est-ce que ça a marché? À sa place, je testerai même pas. En plus, elle doit pas avoir beaucoup de respiration. Aouh! Ah, une pieuvre. Barre-toi de là. Pour l'instant, tout va bien, mais bon. Vas-y, prends ça. Ah non, elle va être engouffrée dans l'eau. Prends, t'as plus d'air là. Ah si, c'est bon. Heureusement qu'il était là. Parce que s'il était pas là, ça aurait été chaud, je pense. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Ah oui, ça c'est clair. Je sais ce que je fais, ok? Pas besoin de garde du corps. Alors c'est quoi ça? Zone de recherche 1, RAS, 2, RAS, tout est RAS, ok. Il était parti aider un navire. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on se tire d'ici, vite! Est-ce que l'avion est... Ah, un requin. Pour l'instant, ça va. C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Il faut vite partir. Attends. De là. D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Il veut lui faire sa demande en mariage, là? Une blague? Oh. Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? Il est vachement à genoux. tu me fais mal. Tu me fais marcher. Allez, vas-y, on va jouer comme ça. Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais, montrez-vous, je vous ai grillé. Julia. Ah, mais y a personne. Je suis sérieux. Allez, dis oui, allez, vas-y, comme ça, moi. Alex. Wow. C'est vraiment une histoire. Allez, de dingue. On va faire le gentil. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Ouais, remonter, ouais, c'est plus sûr. Fils, ici Julia. On va remonter, à toi. Et elle répond pas depuis tout à l'heure à la radio, c'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'il sort, ce bateau? Ah, c'est quand ils sont partis tout à l'heure avec le bateau. C'était des pêcheurs, hein. Attends, on doit d'abord décompresser là. What? Wow. Merde! Il s'est passé quoi là-haut? Vite! Hey, on doit décompresser! Comme celui-là et toi? Ouais, moi j'aime bien, j'adore justement. Mon frère est là-haut.